Nous vous emmenons cette semaine au territoire du Nord-Ouest où les citoyens doivent se rendre aux urnes demain pour élire un nouveau gouvernement. Chose rare au pays, il n'existe pas de parti politique dans ce territoire. Tous les candidats, sans exception, sont indépendants. Sylvain Bascaron nous explique pourquoi. Un gouvernement par consensus, donc, au territoire du Nord-Ouest, tout comme au Nunavut, ce sont les deux seuls territoires au Canada qui fonctionnent de cette façon. Alors, les candidats ne représentent aucun parti, il n'y a pas de parti dans ce système, mais quand ils seront élus, ils voteront en secret pour un président d'Assemblée, un premier ministre, six ministres, restera ensuite 11 simples députés. Et puis, pour chaque enjeu, tout le monde aura le droit de s'exprimer. L'objectif est d'en arriver à un consensus à l'image des Premières Nations de l'ancien temps qui discutaient pendant des jours et des jours et des jours pour se diviser le territoire de chasse. C'est une belle idée, ce n'est pas un système qui est parfait, nous a expliqué le professeur de l'Université Laval en sciences politiques Thierry Rodon. Il nous a expliqué que c'est notamment très difficile d'avoir une vision globale parce que chaque député représente seulement sa circonscription et qu'il n'y a pas de chef de parti. C'est toujours la question de l'intérêt général par rapport à l'intérêt particulier. Là, quand on représente une circonscription, on a plus de mal à définir l'intérêt général qu'est l'intérêt de l'ensemble du territoire. Donc, un système qui n'est pas parfait. Il y a place à l'amélioration. Par contre, un ancien chef autochtone et premier ministre du territoire à qui nous avons parlé nous a expliqué que les politiciens du Sud auraient tout avantage à s'inspirer de cette idée de la recherche du consensus qui est de tradition autochtone. Il lance donc le défi à Justin Trudeau de parler aux membres de tous les partis avant de prendre ses décisions.